Voilà. Bon, moi, je peux m'en appliquer. Don't speak, hein. Là, tu aurais dû m'entendre, hein, par contre. C'était vraiment bien. Il n'y avait personne pour moi. Hein? On a essayé. Demande à Christine, elle était ici hier même. Super bien passé, la projection de presse. Super bien. Projection de presse. Ça va être fini, messieurs les photographes et mesdames. On va commencer la conférence de presse. Je vais vous demander de... Allez. Voilà, on arrête les flashs, s'il vous plaît. Je vais commencer par vous présenter les invités qui sont à cette table. De droite à gauche, producteur Denis Fred, producteur, coproducteur des Frères Dardenne. Ensuite, Luc Dardenne, Marion Cotillard, qui joueront le rôle de Sandra dans Deux jours, une nuit, Jean-Pierre Dardenne. Donc, je vous rappelle, évidemment, vous le savez, que Luc et Jean-Pierre Dardenne ont déjà eu deux fois la Palme d'Or. Et dans les deux films pour lesquels ils ont eu la Palme d'Or, jouait déjà Fabrizio Ronzoni, qui est à côté de moi, et qui joue le rôle de Manu dans Deux jours, une nuit. Alors, je crois qu'il y a déjà des questions. Oui, allez-y, présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Jordi Oliva, je viens de TV3, télévision de la Catalogne, la télévision publique de la Catalogne. Merci à toute l'équipe pour ce film. J'ai une question pour Monsieur Dardenne et Monsieur Dardenne. Croyez-vous qu'à cause de la crise économique, on a perdu de la solidarité, des valeurs? Et puis, si en tant que travailleur du cinéma, vous vous avez trouvé dans une telle situation, dans un tel dilemme, dont se trouvent les personnages du film, enfin, si la crise économique, vous qui ne faites pas un cinéma cher et que vous avez une carrière solide, si vous a touché la crise économique en certaine façon, pendant la pré-production de ce film, par exemple. Merci. Nous n'avons jamais connu une pareille situation dans le travail cinématographique. Et si on avait connu une situation pareille, on n'aurait jamais proposé le marché, le chantage que propose M. Dumont. Ce n'est pas vraiment notre mentalité. Alors, par rapport à la solidarité, je crois que... Bon, c'est vrai que la crise économique n'est pas favorable à la solidarité, mais je crois que la solidarité, ça a toujours été... quelque chose qui devait se construire. Ce n'est pas une donnée naturelle. Même auparavant, quand il y avait des mouvements sociaux plus importants, je vais prendre un exemple. Dans notre région, dans les années 60, il y avait des grands mouvements sociaux. Mais quand une grève se déclenchait pour être solidaire d'une entreprise qui allait fermer, l'ouvrier qui devait faire grève, il devait d'abord parler un peu avec sa femme. Et en disant, bon voilà, le syndicat va nous donner une compensation salariale, mais ce sera inférieur au salaire que je gagne. Donc, est-ce que tu es d'accord? Donc, c'était pas évident d'être solidaire. Parce que effectivement, ça provoque une diminution des revenus d'être solidaire, je veux dire, d'une grève, hein, dans une usine. Bon. Et donc, la solidarité est une chose qui nécessite toujours aussi un acte moral, une décision. Voilà. Et quand le vote est à main levée, parfois, le délégué syndical est là, et devant le délégué syndical, vous avez tendance à lever la main pour voter oui, on fait la grève. Quand le vote est secret, c'est déjà plus difficile. Et donc, voilà, je ne crois pas que la solidarité a baissé. Je ne pense pas. Je pense qu'il y a encore, des gens, et le film le montre quand même, parce que c'est ça qu'il raconte, c'est...
comment une femme comme Sandra, qui n'est pas une militante politique, qui n'est pas une femme qui appartient à une tradition politique, elle est là et elle se dit, bon, ben, je vais voir les gens, aidée par son mari, et puis, voilà, il y a des gens qui changent d'avis. Parce qu'ils voient Sandra, et ils sont, je dirais, ils sont touchés par, par sa détresse, par ce qu'elle leur dit. Donc, je pense qu'on peut encore être solidaire aujourd'hui. En tous les cas, c'est ce que le film essaye de dire. Hello, my name is Fernando Hernandez for Filacet de Magazine. Je m'appelle Fernando Hernandez. C'est une question d'Espagne. Je voudrais poser cette question aux deux réalisateurs. Vous nous dites que vous gérez, vous travaillez ensemble à vos scénarios depuis plus de 10 ans. Est-ce que la fin du film, vous étiez d'accord tous les deux sur cette fin, et est-ce qu'il y a une allégorie dans cette fin? Normalement, je réponds en anglais, mais comme Marion est là, c'est mon professeur d'anglais, elle est très dure et elle m'impressionne trop, donc je vais parler français. Non, parce que si je parle anglais, je vais avoir une scène tout à l'heure, donc je préfère pas. Donc, la fin du film, on a mis du temps à la trouver, et parce qu'on a émis chacun plusieurs propositions qui ne nous satisfaisaient pas. Et on est comme ça quand on travaille ensemble, on est une espèce de petite machine. Et en fonction des propositions qu'on fait, la machine, elle se met en route ou pas. Et quand la machine ne se met pas en route, c'est que la proposition, elle n'est pas bonne. Et puis, à un moment donné, est venu ce qui, après, nous a semblé effectivement évident. C'est-à-dire que pendant tout le temps dans le film, on parle de place, on dit « mets-toi à ma place, à ma place, mets-toi à ma place, et toi, mets-toi à ma place ». On s'est dit qu'on pouvait finir que comme ça, qu'à un moment donné, Sandra soit à la place des gens qu'elle est allée voir, et que la seule réponse qu'elle pouvait donner et qui pouvait donner un sens au film, c'est ce qu'elle fait. Donc, vous savez, si on n'a pas la même idée du film qu'on veut faire, si on ne veut pas raconter la même histoire, c'est mieux qu'on ne travaille pas ensemble. And now in English? Non, il a demandé si c'était basé sur des faits réels, ou si c'était une allégorie. T'as vu, je suis... Ah, si c'était une allégorie. Ah. Hi, sorry. Pardon. Allez-y. Une allégorie. Enfin, l'allégorie, c'est des mots difficiles. Hein. Alors, nous, on a essayé de raconter, à travers cette fin, comment la solidarité que Sandra avait rencontrée pendant ces 2 jours et 1 nuit, comment le soutien que son mari lui a apporté pendant 2 jours et 1 nuit, comment ça avait transformé cette femme pour qu'elle puisse dire à la fin, on s'est bien battu, je suis heureuse. Alors on peut dire que c'est une allégorie, mais pour nous, c'est on raconte quelqu'un qui a changé grâce à la solidarité. Comment la solidarité peut changer les gens. Et le fait de se battre, de dire non. Thank you, Marianne. Hi there, Thomas Adamson from the Associated Press. Associated Press, désolé, je vais parler anglais. Une question pour Marion Cotillard. L'an dernier, vous avez joué un rôle, le rôle de quelqu'un d'un peu perdu et de vertueux, et c'est un peu la même chose ici. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce genre de rôle? Je vois des similitudes entre vos différents rôles. Et puis, Jean-Pierre et Luc Dardenne ont obtenu la Palme d'Or, et on pense que c'est votre heure maintenant. Qui est venue, Marion Cotillard, pour avoir le prix d'interprétation? J'aime les rôles complexes. Alors moi, je vois toutes ces femmes comme des femmes, les films dont vous parlez, donc celui-là et les deux pour lesquels j'étais ici l'année dernière. The Immigrant et Blood Ties sont oui des êtres qui se battent pour leur survie et qui vont du coup découvrir des choses en eux qu'ils ne soupçonnaient pas et c'est ce qui m'intéresse dans l'humain, quelque part. Je suis très touchée par les survivants, par les gens
J'arrive pas à trouver le mot juste parce que survivant, c'est pas forcément. Non, mais des gens qui s'en sortent. Voilà, qui se sortent de n'importe quoi, d'une situation ou d'un handicap ça m'apprend sur l'humain en fait de visiter les cœurs et les âmes de ces gens-là. Voilà. Et puis pour la deuxième partie de votre question, c'est je sais pas trop quoi dire. Moi, je suis heureuse d'être là avec le film des frères. Je pense jamais trop à ces choses-là, je dois avouer. Je dois dire que je suis assez heureuse de ne pas avoir à me protéger, en tout cas de ne pas avoir à essayer de ne pas y penser. Je pense que je dois avoir une protection naturelle qui fait que ça fait pas partie de mon fonctionnement. Par contre, quand des choses arrivent, comme des prix, je l'apprécie entièrement. C'est quelque chose de qui amène pour un temps beaucoup de joie, qui peut amener aussi dans une carrière comme je l'ai vécu avec l'Oscar, par exemple. Beaucoup de projets, beaucoup de beaux projets. Mais voilà, j'ai la chance de jamais espérer un prix. Donc, voilà. Peter Paul Hood, télévision allemande. J'ai aussi une question pour vous, Madame Cotillard. Je me souviens quand vous avez parlé dans la conférence de presse de Jacques Audiard, il y a quelques années, et Mathias Schönartz a commenté que quand vous avez trouvé la première fois dans le plateau, vous étiez complètement changé, complètement dans le rôle. Et je me demandais, ou je voulais vous demander, comment vous avez vous transformé d'être crédible comme cette femme ouvrière dans la banlieue de Liège. Merci. C'est toujours une question un peu complexe en fait, parce que je me suis rendu compte que quand j'essayais de répondre à cette question, je donnais des réponses assez vagues ou vastes, ou je m'abandonne à quelqu'un. Je sais pas trop comment le dire autrement. Alors après, c'est un processus, hein. C'est partir à la découverte de quelqu'un. Quand je lis un scénario et que j'ai envie de faire partie de cette aventure, c'est un coup de foudre à plein de niveaux. C'est une combinaison de choses, l'histoire, le personnage, les réalisateurs, les acteurs avec qui je vais vivre cette aventure. Après, j'ai pas de méthode de travail. La méthode de travail naît du projet, en fait. Donc, j'aime travailler comme ça. C'est assez excitant parce que je sais jamais vraiment quel chemin ça va prendre. Mais ce qui est sûr, c'est que j'aime le travail d'investigation. À l'intérieur de la personne et ce que ça va faire jaillir, c'est-à-dire quand j'ai visité l'intérieur, je sais que l'extérieur va arriver naturellement. Et l'extérieur, je parle d'une façon de parler, d'une façon de respirer même, d'une façon de tout le comportement physique, parce que chacun d'entre nous, la façon dont on s'exprime, dont on marche dans la rue, raconte beaucoup sur notre personnalité. Donc vraiment, le personnage est un... Mais ça vient naturellement quand j'ai trouvé... Je cherche les clés qui vont m'aider à comprendre la personne. Parfois même, j'ai pas besoin de comprendre la personne entièrement. Ça m'était arrivé sur le film de Jacques Audiard où j'étais partie dans un travail d'investigation et je me suis rendu compte que c'était pas du tout la bonne route et qu'il fallait que je garde... Même pour moi, beaucoup de mystères avec ce personnage, parce que sinon ça allait l'abîmer.
Voilà, c'est toujours, voilà. C'est, en tout cas, j'essaie de travailler, même si ce mot encore est peut-être un peu vague, le plus possible, en tout cas d'aller le plus loin dans ma rencontre avec quelqu'un, c'est-à-dire le personnage, pour pouvoir effacer tout le travail, pour pouvoir être cette personne et pouvoir oui, m'abandonner à elle à partir du moment donné où je suis sur le plateau. Si j'ai trouvé les clés avant, j'ai pas grand-chose à faire. J'ai juste à donner les clés de la voiture à ce personnage, et c'est ce personnage qui va me conduire plutôt que l'inverse, en fait. Voilà. Je voudrais poser une question complémentaire sur votre travail avec les frères Dardenne, et que je pose aussi à Fabrizio d'ailleurs. Il y a une façon particulière avec eux de préparer le rôle, une phase de répétition. Fabrizio puis Marion, est-ce que vous pourriez nous en parler un peu plus? Est-ce que ça vous semble nécessaire, ou c'est juste une concession que vous faites au réalisateur, vous qui avez fait déjà plusieurs films avec Jean-Pierre et Luc Dardenne? Mais avec les frères, le concept de répétition est fondamental, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on répète, toutes les scènes sont répétées. Avant, presque, bien avant. Ou quasi. Ouais. Oui, avant, il y a toujours. Donc là, on a fait 3 semaines de répétition avant le tournage, puis il y a encore des répétitions le jour du tournage. Et puis en fait, on essaye, en fait, on fait plusieurs prises pour essayer d'arriver à un résultat. En fait, c'est. Je dirais presque pour arriver à la jonction parfaite du corps des comédiens et du mouvement de la caméra. Donc c'est une espèce de comme ça, on essaie d'arriver à un point d'équilibre parfait entre tous ces mouvements. Et donc ça, effectivement, la répétition, je pense, est un mot-clé. Enfin, peut-être que vous me direz le contraire, mais est un mot-clé dans leur cinéma, quoi. Marion. Mais ce qui est formidable, en fait, c'est que, bon, en plus là, la particularité aussi, c'est que ce sont que des plans séquences. Donc il faut trouver une dynamique, et le fait de répéter. Alors évidemment, ça fait qu'on se découvre les uns les autres déjà. Mais trouver la dynamique, justement, comme ce que disait Fabrice Dio, des corps, de la caméra, cette espèce de danse quelque part, le rythme c'était important, parce que comme ça on gagne beaucoup de temps sur le tournage pour commencer, et du coup on se concentre sur le jeu. Et ça, bah, pour un comédien, c'est il y a rien qui se met sur la route de ce qu'on raconte et de pourquoi on fait un film et pourquoi c'est-à-dire que voilà, il y a l'écran et puis il y a l'histoire qu'on raconte qui est je dirais pas que c'est le plus important, mais ça a une importance vraiment considérable. Et l'image et la caméra va suivre ça. Oui, parce que c'est pas juste autour d'une table, on dit les textes. Non. Ouais. Ce sont des répétitions dans les décors avec les comédiens et même en costume. Enfin, même si on était en évolution, enfin en recherche encore de costumes, mais sont vraiment des répétitions, oui, poussées, mais en même temps pas focalisées sur le jeu, même si comme tout est interdépendant, voilà, on essayait tous des petites choses, des plus grandes d'ailleurs, mais... Bonjour, Pierre Germet, journal La Meuse, Belgique. J'ai une question pour Marion Cotillard. Qu'est-ce qui vous séduisait dans le cinéma des frères Dardenne avant le tournage et qui vous a incité à accepter leur proposition? Et est-ce qu'après le tournage, vous avez changé d'avis, ou est-ce que vous avez été conforté dans cette impression première? Est-ce qu'ils vous ont surpris? Alors, je savais que... Moi, j'ai toujours rêvé d'une aventure avec un ou des réalisateurs qui m'emmènerait jusqu'au détail le plus profond et le plus infime. Et j'ai toujours senti dans leur cinéma
qui avait forcément une dose de travail énorme pour atteindre ce qu'ils atteignent dans leur film. Moi, ce qui me touche dans leur film en tant que spectatrice, c'est que j'ai vu tous leurs films, je les ai tous aimés. Et je me suis sentie voilà, embarquée. Quand on a commencé les répétitions, en fait, un jour, ce qui est assez rare, même si ça peut paraître étrange, ils parlaient du spectateur en répétition et ils sont tournés vers nous. Je crois que tu étais là ce jour-là en nous disant « Ah non, on parle beaucoup du spectateur ». Parfois, sur certains plateaux, le spectateur, on n'a même pas le droit de l'évoquer parce que, je ne sais pas, ce n'est pas le moment ou c'est... Alors que Jean-Pierre et Luc font du cinéma pour les spectateurs et ont envie de leur faire vivre des choses. Alors, évidemment, on est toujours surpris. Il y a dans leur cinéma qui ne peut pas être juste qualifié de cinéma d'auteur. Tellement de richesses, tellement de choses, tellement de genres, même à l'intérieur d'un cinéma qui est effectivement, qu'on peut appeler un cinéma du réel, mais les histoires sont toujours tellement cinématographiques. Moi, un de mes films préférés, par exemple, des frères, c'est Le Fils. Ça a été, en tant que spectateur, une espèce de grand huit émotionnel, de surprise, j'avais l'impression, ouais, d'être rentrée dans un wagon et que c'était le roller coaster. Dès les premières images, on sent qu'ils ont envie de faire vivre quelque chose d'exceptionnel aux spectateurs. C'est pour ça que j'aime leur cinéma en tant que spectateur. Et c'est pour ça que ça fait partie d'eux. Donc dans le travail, même de l'autre côté de l'écran, moi, ça a été une expérience bouleversante, enrichissante, une des plus belles expériences cinématographiques, si ce n'est pas la plus belle. Et voilà. Vas-y. Bonjour, Émilie Olivier, le maxcinéma.fr, je suis au centre. Bonjour. Donc j'avais une question pour messieurs Dardenne au pluriel. C'est la première fois que vous faites tourner, on peut dire, une star aussi mondialement connue et aussi glamourisée depuis qu'elle est aux États-Unis. Et je voulais savoir si c'était une démarche artistique ou si c'était juste l'envie de tourner avec Marion Cotillard seulement. Voilà. Merci. Il y a les deux, mais au départ, c'est vraiment l'envie de tourner avec Marion qu'on a rencontré sur De Rouillé d'Os, film qu'on coproduisait, petit coproducteur, mais enfin quand même. Et on a voulu la rencontrer et on s'était dit, mon frère et moi, quand on rencontrera Marion, on va voir un peu comment elle réagit, puis on lui parlera de notre personnage, qui était un personnage d'un médecin de banlieue à l'époque. Et alors, on a à peine vu Marion. On l'a tout de suite dit, on s'est regardé un bref instant, mon frère et moi, et on lui a dit tout de suite, voilà, nous, on aimerait travailler avec vous. Elle a dit merci, moi aussi. Donc, je pense qu'il y a eu cet accrochage. Moins calme. Pour parler de wagon, comme parlait Marion tout à l'heure, ben, il y a eu un accrochage de wagon. Voilà, on s'est accroché, on a dit, bon, là, il y a quelque chose qui s'est passé, mon frère et moi, on est rentrés, on a dit, mais... On continue à écrire ce scénario en pensant à Marion, et puis on a changé parce qu'on n'arrivait pas à terminer ce scénario, et on a commencé l'histoire de Sandra. Et alors, dès qu'on a commencé l'histoire de Sandra, qui est quelque chose qu'on reprenait, un ancien scénario, on a pensé qu'à Marion. Et à un moment donné, on s'est dit, il faudrait quand même être sûr que ça l'intéressera. Parce que c'est plus un jeune médecin, c'est une jeune ouvrière. Et donc, on est allé la voir à Paris, elle a dit oui. C'est une histoire qui m'intéresse, le personnage aussi. Et moi, j'ai envie de travailler avec vous. On a dit, mais nous aussi, donc c'est parfait. Et donc, il y avait ce désir-là d'abord. Mais c'est vrai que quand on travaille avec une actrice comme Marion,
On sait que c'est une grande actrice, mais on sait aussi que c'est une star. On sait aussi qu'elle représente, qu'elle a une image, une icône, que c'est une icône. Et donc, nous, on n'est pas là pour dire, ouais, on a cassé la star, cassé l'icône. C'est pas ça notre problème. Non, mais bon, parce qu'il y a des gens qui aiment parler comme ça. Nous, c'est pas ça. C'est que on savait que Marion désirait devenir Sandra et qu'elle avait tout son chemin intérieur pour le faire. Et ça, ça ne nous regarde pas. Ça, c'est elle. Et nous, on avait simplement le désir, et nous, on arrive à ça grâce aux répétitions, de la faire entrer dans notre monde, si je puis dire, et qu'elle y apporte le plus possible. Voilà. Et c'est grâce aux répétitions, au travail qu'on a fait ensemble, qui sont des choses très physiques. Marcher, tomber, se relever, se retourner, prendre son téléphone, aller dans son sac, porter son sac, voilà. Marcher avec telle chaussure plutôt que telle chaussure. Bon, voilà. Et plein de choses très concrètes. Et ça, c'est comme ça, très physique. Et c'est comme ça que on s'est dit, voilà, c'était un challenge pour nous, c'était un défi, faire venir Marion. Voilà. Et c'était son désir aussi, mais comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'on le veut, qu'elle le veut, que son mari, Fabrizio, qui était à toutes les répétitions où il était concerné, lui aussi, il désirait ça. Hein. C'est pas pour ça qu'on y arrive. Il faut qu'il se passe quelque chose de magique dans les répétitions où, à un moment donné, on sent qu'elle trouve des choses, que Fabrizio trouve des choses, qu'ils ont la bonne distance entre leurs corps, parce que c'était difficile de trouver la bonne distance entre les deux corps. Parce que cette femme sort d'une dépression, le mari, ben, il sait déjà que ça recommence, là. Quand elle apprend la mauvaise nouvelle, il la voit retomber. Mais est-ce qu'il doit être proche d'elle, un peu plus haut, et il va l'infantiliser, donc ça va pas. Est-ce qu'il doit être loin, mais pas non plus au point de la laisser, à moins que ce ne soit pour la laisser se relever toute seule et venir vers lui. Donc, toutes ces choses-là, on les trouve en répétant. Et eux, évidemment, ils ont apporté énormément de choses. Parce que nous, comment vais-je dire, on est là avec notre caméra, dans les décors réels, comme l'a dit Marion, et on cherche. Et beaucoup de choses viennent d'eux, et on cherchait le mouvement le plus simple pour notre caméra. Et donc, ce mouvement-là, il est dicté par ce qu'ils trouvaient durant les répétitions. Est-ce qu'on les aidait aussi à trouver, évidemment, mais... Oui, et c'est ça... Bon, je me souviens encore, je crois que c'était le deuxième soir, parce que nous, on voit tous nos rushs de répétition. Jean-Pierre et moi, on s'est dit, là, on a Sandra et on a Manu. Ils ont trouvé les corps qu'il fallait. La manière, la gravité, si vous voulez, qu'il fallait. Voilà. La gravité au sens physique du terme. Allez-y, monsieur. Hi, Baz Bami, boy from Daily Mail. Congratulations. Bonjour, Baz Bami, Daily Mail. Pour le Daily Mail, félicitations. Les acteurs et les réalisateurs nous ont parlé des répétitions dans la préparation de ce film. Mais est-ce qu'il y a eu des improvisations pour Sandra, notamment lorsqu'elle rencontre l'entraîneur des footballeurs, des jeunes footballeurs? Et là, c'est une scène merveilleuse. Est-ce qu'il y a eu des répétitions pour cette scène sur le terrain de football ou non? Mais en fait, pour atteindre ce sentiment de vérité quelque part et cette impression que c'est improvisé, c'est là qu'il y a beaucoup de travail. Et il n'y a rien qui est improvisé dans le film. Et sans faire de comparaison, parce que j'ai jamais travaillé avec Kechiche, mais je me souviens de ma réaction quand j'avais vu l'esquive et j'avais rencontré Sarah Forestier. Je lui avais dit, mais vous êtes super bons tous en improvisation, quoi. Il a réussi à trouver des gens. Et elle m'a dit, mais rien n'est improvisé, tout est travaillé au millimètre. Et je fais cette comparaison sans la faire, juste pour expliquer que voilà, c'est il y a qu'avec une énorme dose de travail et de recherche qu'on arrive à atteindre cette authenticité et à rendre cette impression d'improvisation qui veut dire quelque part qu'on a réussi à... Enfin, sauf si l'improvisation est nulle. Mais j'étais en train de penser en même temps en me disant, mais si ça se trouve, en fait... Mais voilà, je crois que
J'arrête. Louise Jury from the Evening Standard and the Independent in London. The Evening Standard et l'Independent à Londres. Question pour Marion Cotillard. Vous avez une certaine beauté extraordinaire. C'est une beauté qui n'est pas ordinaire. Est-ce que ça vous rend encore plus intéressante pour des rôles qui vous éloignent de votre beauté, qui donnent une sorte de réalisme social? Est-ce un défi pour vous? C'est très gentil, j'aime. Mais je dirais que je suis très mouvante. C'est ça. À savoir, je me considère pas comme je me considère pas comme quelqu'un de moche. Hein. Non, mais je veux dire, mais de toute façon, on est tous, même une femme très très belle. Parfois se considère pas comme une femme très belle, donc ça c'est un rapport avec soi-même qu'on a, mais en tout cas je sais que j'ai que je peux réussir si le rôle le demande à être plutôt jolie, et que je peux aussi être très moche ou alors être... Enfin, là, on parle de beauté et de mocheté, ce qui n'a pas vraiment de sens. Mais en tout cas, je sais que j'ai une capacité physique à pouvoir... être... Oh là là, comment je vais répondre à cette question? Transformer. Oui, voilà. Voilà. Voilà, me transformer. Ce qui est... ce qui est plutôt pas mal pour ce métier. J'ai complètement oublié votre question, du coup, attendez. C'était... Je suis perdue. C'était... Non, mais en tout cas... Enfin, c'était quoi votre question? C'était... C'était ça. C'était ça? J'ai répondu? Oui. It was whether it was... Est-ce que vous êtes plus intéressé par des rôles qui vous permettent d'échapper à votre beauté? C'est pour ça que j'arrivais pas trop à répondre. Oui, donc à partir du moment donné où je me considère pas comme, mais très gentiment, la façon dont vous me décrivez, ça rentre jamais en ligne de compte, en fait. Voilà, tout simplement. Je vais pas aller choisir un rôle où j'ai pas de maquillage, j'ai pas de coiffure, parce que je vais me dire je vais échapper à ma beauté. voilà, mais en tout cas voilà, je sais que j'ai cette capacité à pouvoir aller physiquement d'un des femmes sublimes, par exemple, vont avoir plus de mal à... En même temps, je suis en train de dire ça, et je pense à Penélope Cruz dans Don't Move, le film de Castellito. Penélope, c'est quand même vraiment compliqué de la rendre moche. Et ce qu'elle fait dans ce film, qui est, en passant, pour moi, une des plus grandes interprétations féminines de tous les temps, je lui dis... ce qu'elle fait physiquement, c'est-à-dire elle est méconnaissable, elle est hideuse, vraiment hideuse. Donc je pense que ça peut durer des heures, ma réponse. C'est-à-dire que je pense que je vais m'arrêter là. On va peut-être passer au suivant, voilà. Parce qu'il reste très peu de temps. Donc là, une question, oui. Hi, I'm Natalie from Cable TV. Bonjour, Hong Kong, and I've got a question télévision for Marion. Câblée à Hong Kong, une question pour Marion Cotillard. Vous étiez l'an dernier ici avec l'immigrant, et aujourd'hui avec deux jours, une nuit. Vous avez essayé des rôles très variés. Y a-t-il un rôle que vous souhaiteriez vraiment tenter? Oh oui, Lola, il y a beaucoup de choses que j'aimerais aborder. J'aimerais vraiment aborder la comédie, même le film d'action. Alors, c'est pas forcément des rôles, hein, que je vous... Mais
mais des genres que j'ai pas vraiment abordés, que j'aime en tant que spectatrice et que j'aimerais avoir la chance un jour de visiter. Voilà. Après, des rôles en particulier, il y en a tellement que là, je suis incapable d'en sortir un. C'est vrai que j'ai toujours eu cette fascination de jouer un homme. Parce que ça me paraît impossible. Et du coup, ça m'excite un peu. Voilà. On va poser les deux dernières questions. Alors, une ici. Dans 4 minutes, on arrête. Hola, Rodrigo González, del diario La Tercera, de Chile. Chili, j'ai une question pour les frères Dardenne. Ma question est la suivante. Est-il important pour vous de travailler avec des personnages féminins? Est-ce que les personnages féminins vous semblent mieux adaptés à votre façon de conter des histoires? Par exemple, je pense à Rosetta. Voilà ma question. Sur les personnages féminins. Et je pense qu'il y a un désir de cinéaste de travailler avec des comédiennes, en ce qui nous concerne, mon frère et moi. Tout au début, quelqu'un nous a dit, vous les gars, vous travaillerez avec les acteurs, mais avec les actrices, vous n'y arriverez jamais. Vous êtes deux, il n'y a pas de désir qui peut passer. Peut-être avec des jeunes filles qui ont 16, 17 ans, mais avec des actrices confirmées, tout ça, vous n'y arriverez jamais. Parce qu'il n'y a pas de désir qui peut passer entre vous. On a dit, ouais, peut-être, je ne sais pas. Et je ne dis pas que ça nous a guidés dans nos choix. Mais mon frère et moi, nous n'avons jamais oublié ça. On s'est dit, ouais, peut-être, le gars, il nous a peut-être dit, raconter quelque chose de profond sur nous, que nous ignorons, parce que nous sommes deux frères, nous sommes incapables de travailler avec une actrice. Peut-être. Parce qu'il n'y a pas de désir qui peut passer. Bon. On a oublié ça. Mais ici, pour l'histoire de Sandra, on n'a jamais vu que ça pouvait arriver à un homme. Je pense que c'est lié aussi au fait que dans l'histoire qu'on raconte, les femmes dans la vie réelle sont plus fragiles pour l'emploi et ont beaucoup plus de problèmes à retrouver du travail. Et d'ailleurs, il y a beaucoup plus de femmes au chômage que d'hommes. Ça, c'est une chose. Mais c'est pas suffisant pour se motiver pour travailler avec une comédienne. Je pense que c'est notre désir à Luc et à moi de travailler avec une actrice. Et on s'était dit, cette fois-ci, on n'a jamais fait, ce serait formidable de travailler avec Marion Cotillard, qui est une grande actrice, qui est une star. Et voilà. Et puis on s'est rencontrés, c'était un coup de foudre cinématographique. Et voilà. Et puis après, il faut travailler et il faut arrêter de parler. Alors, dernière question ici. Yes, I will take it in English. Please, stand up. Une question en anglais. Je viens de Hongrie et je voudrais demander aux frères Dardenne comment vous travaillez ensemble. Est-ce que votre coopération entre vous change à chaque film ou y a-t-il toujours une continuité dans votre style de votre façon de travailler ensemble, aussi bien comme scénariste que comme réalisateur? Une réponse hongroise. Alors. Donc je vais répondre pour la Hongrie. Comme à l'Eurovision, one point, two point. Non, on travaille toujours de la même façon. Voilà, on parle beaucoup d'un personnage, et puis d'une situation, et puis quand on a beaucoup parlé, on essaie de faire une structure approximative du récit, de l'histoire. Ça se passe toujours dans le même coin, plus ou moins, autour d'une ville qui s'appelle Serein ou dans la ville même. Et puis alors, quand on a la structure, j'écris le scénario en téléphonant à mon frère très souvent, parce que quand on écrit, on change les choses. On n'applique pas la structure, on modifie. Donc je lui téléphone souvent. Et après, quand la première version existe, là, il la lit, et puis alors il me donne ses remarques, je retravaille, et puis on fait plusieurs versions, et après on a deux lecteurs pour cette dernière version, c'est Denis Fred,
qui est le producteur français du film, qui est notre coproducteur, et Delphine Thompson, qui est la productrice exécutive, qui travaille chez nous en Belgique, dans notre maison de production. Alors voilà, on tient compte des remarques, on retravaille, et puis après, à partir de ce moment-là, nous faisons nos répétitions dans les décors qu'on cherche, qu'on trouve, et puis les acteurs arrivent, on répète avec eux, en même temps on fait les costumes, et puis voilà, finalement sur le plateau on est là tous les deux, je ne sais pas ce que les acteurs pensent, mais je pense qu'on fait la même chose, mon frère et moi, on est équivalents, si je puis dire, sur le plateau, et simplement, quand l'espace le permet, on a un moniteur vidéo qui est relié à la caméra, alors parfois il y en a un qui est devant le moniteur et l'autre qui est plus proche de l'équipe et des acteurs. Mais comme on travaille souvent dans des lieux plutôt exigus, on est tous les deux derrière le moniteur. Voilà. Et comme nos plans séquences, comme l'a dit Marion, on fait beaucoup de plans séquences et la caméra fait souvent 360 degrés. Donc il est difficile de trouver une place où on n'est pas vu. Donc on se cache devant, avec le moniteur devant nous. Voilà. Et c'est comme ça qu'on regarde le plan. Voilà. Et puis alors on est là tous les deux pour vous répondre, pour répondre aux questions avec les acteurs. Donc voilà, voilà comment on travaille. Je voudrais poser une question à Denis Fred, qu'on n'a pas beaucoup entendu jusqu'à présent. Votre relation durant toute la phase de création du film, du scénario, vous êtes premier lecteur, premier spectateur du premier montage, comment est-ce que ça se passe ? Écoutez, d'abord, voilà, c'est le cinquième film que nous faisons ensemble, et avec Luc et Jean-Pierre, la question c'est d'être là. Voilà, être là, c'est-à-dire qu'à un moment, il me demande de lire. Je fais part de mes remarques, être là pour parler de la couleur d'un t-shirt, être là pour voir des décors, être là tous les jours pour voir les rushs et se parler tous les jours des rushs, être là pour penser à la promotion, être là à la conférence de presse. Et voilà, tout ça dans le cadre d'une relation d'amitié profonde. Merci beaucoup. Attendez. On dit que c'est notre troisième frère. Voilà. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Le standard, oui. Ouais. On n'est pas champion. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on fait là ? Merci. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait, chef ? On va pas commencer.